Si je pipe comme toi, au Yannium, c'est deux. Ouais, c'est vrai. Belle température ce matin, des sièges. On va prendre des images du bain. La belle neige. Mais ça, quoi? Des ciseaux, là. Max, quand ça va, buddy? Oh, oh, on va de la peau. Qu'est-ce que ça veut dire pour la neige? Moi, je suis très content. Écoute, la température est pour nous. Hey, la chance est de tomber. Je suis grippé aux provinces, de la neige aux Canadiens. Rien ne va plus. T'en restes long, Félix, c'est-tu? Réserve d'énergie, mon chum. On perd pas à marque. Alors, nous voilà en compagnie de nos produits du terroir. Alors, les boys, aujourd'hui, Spike ou Racer? Spike! Définitivement! Alors, vous êtes prêts? Écoute, regarde! Moi, faut que je te le dise, je rêvais de la neige, mais j'y croyais pas. Ouais. On l'a eu! Écoute, il y a quelqu'un en haut, là! Il y a quelqu'un en haut qui a fait ça pour toi, mon chum! Moi, ça a payé! Alright, alors vous êtes chez vous, les boys! Gâtez-vous! Toi, man! L'heure de l'hymne national! C'est le temps d'avoir des émotions. On voit le coach de l'Université Laval. Je crois qu'il est parti vite. Il est parti assez conservateur. Je pense qu'il devrait être correct. Il embarque. Ah ouais, embarque, Félix, embarque! Tu sais, quelqu'un de pas lousse. Voici les fans qui sont venus encourager leur université puis de l'or. Montrer un peu l'ambiance ici sur les plaines. On se créerait en 1759 lors de la bataille. High five aux gars en chess. Hey, je suis pas lousse puis je t'en froc d'hiver. Chapeau mon gros, chapeau. Ça va rouler. Là, les hommes de situation. Et voici le gars qui est le moins lousse présentement. On vit en image, pain is success, mesdames, messieurs. Commence, la course commence. The best pace, the suicide pace, and today is a good day to die. On vit ça en image, on vit ça en image. Alors les premiers qui vont bientôt compléter leur deuxième tour. Et les partisans qui découvrent un à un les stades de l'hypothermie. Ah, les gars qui reviennent déjà pour leur troisième montée Martello. Je peux pas vous dire à quel rythme que ça roule, mais c'est vite. D'après moi, c'est entre 2 et 4 minutes au kilomètre. À l'œil? Dernière montée Martello, d'habitude, ils ont plus de fun rendu là. Quel finish de Manny! Un beau parapluie ici! Et que la boisson va être bonne à soir! Tony! Et que pas une poker face! Oh Tony! On y est carré! Je t'ai dit sans aucun goutte la médaille du combattant! On va compléter 10 km avec un claquage au mollet! Let's go! That's it! En primeur, les premiers commentaires! Champion du monde! Le premier guitariste qui a complété la ligne! Et la course! Comment ça s'est passé? Ouais. À la fin du lead pack, ça voyons, Manu, t'as forme petite ta gueule! J'étais un peu dans le chasing pack. Ça glissait pas mal. Ouais. Ça s'est tiré pas mal. T'es-tu courant en racer ou en spike finalement? Notre recrue de. Penses-tu que la température de nuit ou SSF, Emmanuel Boisvert qui a terminé le premier du Rouge et Or. Fait que ta course sur 10? Dans un top 20 environ au championnat. Ah, t'es dur avec toi-même. T'es dur avec toi-même. Merci beaucoup. Ah, merci mon GS. Bon, on va en profiter pendant qu'on a encore Max Lapierre à jeun. Alors, Lapierre, ta course, bien été? Ah, ça a très bien été, mais ça, comme je dis, il y a innocents qui m'ont pensé à. Ah, ah mais on s'attend que tu étais encore dans le plus dans le dernier tour. Là, je suis environ 40. Ah, ouais, bon, on s'attend que tu avais une belle course quand même. T'es-tu fait cruiser pas mal pendant la course? Ben, j'ai entendu les cheveux, puis je un classique, les cheveux à Lapierre, un classique. Ah, oh, félicitations encore pour ta course. Thank you. Alors, en compagnie de Manu Boisvert, hein, on l'a pogné en exclusivité après sa course. Manu, quand tout le monde avait prédit qu'il allait faire une bonne course, mais je pense qu'il a réussi à dépasser les attentes.
Hey, décris-nous ta course. Moi, je partais du début dans la tête que j'ai terminé 7e au Provins. Fait bien que je fasse de quoi, là. Ouais. Fait que là, je suis parti, je me suis placé à la fin du pack. Le pack était environ 25 personnes. Là, petit peu, je vois que je suis avec Charles et Julius. Je suis pêche, et là, un beau petit peloton de tête. Hein? On embarque avec eux, ça va bon. On est lousse. Ben, lousse. Là, finalement, ça commençait à. Les deux, il y a le lead pack et le chasing pack qui se sont séparés. Ouais. Alors ici, ça commençait à s'étirer petit peu à petit peu. Veux pas, fallait que moi j'embarque puis que je fasse un top bar. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, de toute façon, 4-15 au kilo, c'était lent un peu. Ouais, c'est ça. Veux pas, dans la montée, je me choisis de la marche rapide. Ben non, mais c'est ça, maintenant. J'ai un petit Alex Gagné. Hey, vire-toi, montre-nous un peu tes fers, voir. Ça, j'ai travaillé. Tu penses-tu que ça t'a aidé, ça, dans la course? Veux pas, hein. Quand tu veux avoir des gars, tu sais, un peu comme Steve Préfontaine, ouais. Putain, la barre qui va avec. Je travaille 6 semaines là-dessus. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, j'aimerais ça te dire que ça te fait vraiment bien, mais. Pas un menteur. T'sais, écoute, pas un menteur, moi, là. Ouais. Je jurerais pas les hypocrites. Tu dis que ça me fait bien, ma blonde, elle veut pas que je regarde. Ça te fait bien, Manu, ça te fait bien. Hop, 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 j'entends en primeur que. Hop, un autre coureur de Laval est juste à côté. Et voilà, mes sources étaient vraies. Puis toi, mon Tony, et ta course? Ben moi, vu que j'étais 5e coureur aujourd'hui, comme un peu assuré, fait que je me suis dit, là, Pody, c'est pas le temps de partir à bloc, mais un coup comme la dernière fois au Ben, fait que j'ai fait un beau petit coup sûr. Ouais. Une course safe, mais quand même assez rapide. Ouais, le ouais. Calibre est vraiment surprenant, là. Rien à voir avec le calibre au Québec. Puis je suis resté constant. J'ai fait un bon kick contre le chien à la fin. Vous allez voir ça, mais. Oh, on a ça. J'ai bien hâte de voir le résultat en équipe. Alright, that's it, man. Hey, le plus coffré du peloton, toi, qui a fait son entrée. Hey, comment de Laval? Et il fait le fantasme en entrevue, showman. On aime ça. Je sais pas. Tu vas me le dire, moi. Hein? Elle va me le dire. Il faudrait que je recheck le tape parce que vous avez rentré, mon gars. 60 premiers, je pense. Ouais, des 60 premiers de Laval, d'après moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, une sale course. Hein, rouge puis noir à Laval, moi. Ça a bien été, ouais. Mais, grosse course. Yes, avec un temps comme ça, ça vaut combien de Big Mac? C'est un bénévole de la journée. Alors, Philibert, en exclusivité. Puis, mon Charles. Tu bien été ta course? Écoute, aujourd'hui on est allé against the odds ici. On gagne les deux premiers meets, on arrive troisième au Provins, puis ici, 40e à peu près au siège. C'est une mauvaise course. Une grosse saison. La saison était très longue. T'as été performant toute la saison quand même. Ce que j'ai à dire, c'est les gars dans le top 10 là, au 1500 puis au 3000. Il y en a peut-être un ou deux qui vont me battre là-dedans. Non, ouais, c'est sûr. Tu sais, quand c'est rendu que le premier, je l'ai battu au 1500 cet été. Là, good job, mon gars. Tu t'en reprends à soir.